Lorsqu'il s'agit de remonter aux origines du genre stratégie temps réel, les historiens du jeu vidéo pointent généralement du doigt trois précurseurs. The Ancient Art of War de Brother Boone en 1984, Dune 2 The Battle for Arrakis de Westwood en 1992, et entre les deux, tel un chaînon manquant, Herzog's Fight de Technosoft, sorti en 1989 sur Mega Drive. Mais pour qu'il puisse y avoir un Herzog's Fight, Zwei signifiant deux en allemand, il faut qu'il y ait eu d'abord un Herzog tout court. Ce dernier est sorti en 1988 sur les ordinateurs MSX et PC-88. Moins connu que son successeur, Herzog n'en est pas moins lui aussi un pionnier du genre RTS. Herzog met en scène la guerre que se livrent la République de Mercies, en bleu, et les rebelles de l'armée de libération de Rutz, en rouge. Le champ de bataille a une largeur fixe et défile verticalement. Le but du jeu est de causer 100% de dégâts à l'adversaire. Pour ce faire, il faut envoyer des unités du côté ennemi. Si l'unité parvient à atteindre le bord du terrain de jeu, elle augmente de quelques pourcents la quantité de dommages infligés. Par exemple, un fantassin causera 3% de dommages, tandis qu'un tank en causera 15. Si le niveau de dégâts atteint 100%, la bataille est gagnée. Le joueur peut fabriquer 4 types d'unités, fantassins, motos, tanks et véhicules anti-aériens. Deux autres unités sont un peu particulières. Les bunkers de défense restent en place et font feu sur les ennemis en approche, mais doivent d'abord être occupés par un fantassin. Quant aux missiles intercontinentaux, ils peuvent infliger 100% de dégâts d'un coup, mais sont chers, se déplacent très lentement et peuvent être détruits si l'ennemi envoie lui aussi un missile sur le même axe. Une fois fabriquées, les unités avancent en ligne droite vers le camp adverse. Sur l'écran de construction, le joueur devra choisir où déployer ses unités sur le plan horizontal. Le joueur ne se contente pas de construire des unités, cela dit. Aux commandes d'un robot géant appelé Land Armor et capable de se déplacer aussi bien au sol que dans les airs, il peut aller et venir sur le champ de bataille pour attaquer les unités ennemies, mais aussi transporter ses propres unités afin de les déposer au plus près du camp adverse. En mode un joueur, c'est d'ailleurs une méthode très efficace pour vaincre l'IA, pas très douée pour défendre sa ligne de démarcation. Le Land Armor ne peut toutefois transporter que 5 fantassins ou un véhicule à la fois, et l'ennemi possède lui aussi un robot avec lequel harceler le joueur. Bien qu'encore un peu basique, Herzog pose les fondations d'un gameplay trépidant. En mode solo, le joueur devra triompher de 9 batailles successives pour sauver la République. Mais c'est véritablement en mode 2 joueurs que le titre révèle tout son potentiel. Sorti l'année suivante sur Mega Drive, Herzog's Fight reprend le principe de son prédécesseur mais lui donne littéralement une nouvelle dimension. En effet, le champ de bataille prend désormais la forme d'une vaste carte défilant aussi bien verticalement qu'horizontalement, parsemée de collines, de murailles rocheuses, de bras d'eau ou de lave, mais aussi et surtout de bases à conquérir. Visuellement, le jeu rappelle les niveaux en vue du dessus des premiers Thunder Force, également développés par Technosoft, et la patte du studio se retrouve aussi du côté des musiques, très dynamiques. Contrairement à son aîné, Herzog's Fight n'a pas vraiment de scénario. Au début de la partie, le joueur a le choix entre 8 cartes, chacune possédant 4 configurations différentes. Le joueur doit toujours prendre part directement à l'action aux commandes de son mecha. Celui-ci a désormais 2 formes distinctes, robot et avion. En mode robot, le mecha peut attaquer les unités ennemies, mais ne peut pas transporter ses propres unités. En mode avion, il peut transporter des unités, mais ne peut pas s'en prendre aux ennemis au sol. Chaque joueur, qu'il soit humain ou IA, possède une base principale dans laquelle il peut produire des unités ou réparer son mecha. Il ne peut produire qu'une unité à la fois, qu'il devra ensuite manuellement transporter sur le champ de bataille. Si le joueur parvient à placer 4 fantassins dans une base secondaire, il en prend le contrôle. Il peut alors y recruter des troupes et donc s'en servir comme tête de pont. Si toutefois le joueur perd sa base principale, la partie est perdue. 7 types d'unités sont disponibles. Fantassins, motos, voitures blindées, tanks, lance-missiles, artillerie, ainsi que bateaux sur les cartes pourvues d'étendues d'eau. Les véhicules peuvent désormais se retrouver à court de munitions. Le joueur devra alors déployer des camions de ravitaillement pour pouvoir continuer le combat. Au moment du recrutement ou pendant le transport, le joueur peut donner une instruction globale à l'unité. Aller capturer la base secondaire la plus proche, patrouiller autour de son lieu de déploiement ou encore attaquer directement la base principale de l'ennemi. Malheureusement, le pathfinding des unités est très limité et celles-ci se retrouvent fréquemment bloquées par des obstacles. Elles sont également totalement aveugles aux dangers du terrain. Si une rivière de lave se trouve entre elles et leur objectif, elles fonceront dessus et seront réduites en cendres. Le joueur doit donc sans arrêt micromanager tout ce petit monde et s'assurer de toujours déposer les troupes au plus près de leur destination. Ce qui serait sans doute plus facile si le mecha n'avait pas une autonomie aussi limitée. Sa jauge d'énergie se vide très rapidement et ne peut être rechargée qu'en revenant dans une base alliée.
Sinon, c'est l'explosion, et si le mecha réapparaît quelques secondes plus tard sur la base principale, le joueur aura perdu un temps précieux, ainsi que l'unité qu'il transportait. L'IA, de son côté, gère tout cela très efficacement. Si dans le premier Herzog, vaincre l'ordinateur ne posait pas de grandes difficultés, Herzog's Spy se révèle nettement plus ardu. L'IA se développe très rapidement et attaque férocement le mecha du joueur dès qu'elle en a l'occasion. Herzog's Spy propose également un mode 2 joueurs en écran splitté, et c'est probablement contre un adversaire humain que le jeu de Technosoft se montre le plus fun. Très en avance sur son temps et souvent incompris au moment de sa sortie, Herzog's Spy est désormais considéré comme un titre majeur de l'histoire du jeu vidéo. S'il est reconnu comme un des ancêtres des jeux de stratégie de temps réel, certains voient également dans le jeu de Technosoft un précurseur d'un genre plus récent et devenu extrêmement populaire au cours des dernières années, le MOBA.